Cette charentaise est made in Sarthe. Plastigom, basé à Champagné, la fabrique depuis 1928. Avec un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros, elle est encore méconnue des Sartois. Cette société profite alors de cette vitrine pour se faire connaître localement. Aujourd'hui, on vend partout en France. Notre marque, elle est connue et référente sur le marché. Et on se rend compte que les Sartois ne savent pas qu'en Sarthe, on fabrique des chaussures et des chaussons. Donc c'était vraiment pour communiquer au niveau local, départemental, et de montrer qu'en Sarthe, on fabrique plein de choses, y compris des chaussons. La jeune chambre économique du Mans a choisi cette entreprise pour promouvoir le département. Avec ses clichés, elle figure dans cette exposition car l'association veut mettre en avant l'industrie sartoise, riche de savoir-faire et d'innovation. Un triptyque pour les entreprises de commercialisation, de business, l'opportunité de recrutement et l'opportunité de fierté et de reconnaissance des équipes de chaque entreprise. L'exposition est visible pendant 3 jours au Carré Plantagenêt et continuera son itinéraire dans différents lieux du Mans, à partir du 25 mai jusqu'en septembre.